Hey, what's up, guys? C'est Tony. J'espère que vous allez bien. Est-ce que vous êtes perfectionniste? Connaissez-vous des perfectionnistes? Je suis certain que oui. Le perfectionniste, ça peut être une très belle qualité, mais ça peut également devenir problématique lorsque ça vous empêche de passer à l'action. Parce que le plus important, guys, c'est justement de se lancer dans l'action, d'être capable de faire une action parfaitement imparfaite. C'est ça le défi et c'est ça qui va vous permettre d'avancer puis de réussir les objectifs que vous vous fixez. Si vous êtes bloqué par le perfectionniste, si vous utilisez ça comme une excuse pour avancer, j'ai deux solutions aujourd'hui pour vous aider. La première, c'est de garder en tête tout le temps l'objectif final et ne restez pas bloqué sur la perfection d'une étape du processus. Regardez tout le temps la finalité, ça va vous aider à voir les choses en perspective et ça va vous permettre de plus facilement être capable de faire une action imparfaite. Et la deuxième solution que je voulais vous partager aujourd'hui, c'est de vous féliciter, guys, lorsque vous faites une action imparfaite, justement, lorsque vous entamez quelque chose, lorsque vous vous lancez. Félicitez-vous au lieu de vous critiquer, parce que souvent, les gens perfectionnistes vont tendance à voir qu'est-ce qu'ils auraient pu faire de mieux. Il y a toujours place à amélioration, guys. Mettez votre focus sur la reconnaissance que vous méritez d'avoir passé à l'action et ça va être beaucoup plus facile de justement faire une action imparfaite. J'espère que ça vous aide. Je vous souhaite une excellente fin de journée. On se retrouve demain, guys. Ciao!